Okay, across from King Place is where the New Brunswick Police Commission is. Mm-hmm. Are you going there again? Yes, again. Your name is? Jen Womble. And I was in court with you Thursday. Yep. That was quite... Not fun. No. But anyway, we're not going to go through the whole detail about the courts, whatever happened. Right. Next thing you know, you left the courtroom. We all did. You all did. I was upstairs. Mm. What happened? Constable Paul Estee, who writes the appointments in the appointment book for the trials, came out and said he was going to take my husband to jail. Then you were in court debating. They were debating to send you to Campbellton. Yes, 30 days Campbellton. Yeah, so they must know that you are emotionally disturbed or something like that. And not going to Campbellton, and next thing you know, bingo, they shored up. Yeah. They couldn't wait. Nope. The instructions were make sure one wombled behind bars. Because of an unpaid $25 fine. $25 fine. And I was in there for a canceled appointment. Yeah, this is what taxpayers' money is going for. So he should have waited until maybe you were out. You were outside, or maybe the next day, or go over your house, or... Well, it's illegal. The form is illegal. The process is illegal. You can't go to jail for a bylaw parking meter ticket. I mean, it's crazy. You know? How you doing? 10 years as a firefighter. Yeah. 10 years, you know. Nothing surprised me. I watched it, by the way. So, a fan? 5 years as a commissionaire. I mean, this is not a hardened criminal. This is a parking meter fine of $25, and you're going to put a man that's done all this service... Come on, let's talk and walk. So... In jail. So then you turn around. But the bottom line is... They could have waited. That wasn't the place. Nope. Yeah. To confront you. Nope. I'm glad I got this started. Nor the person. So what you do, you come here, you go to the second floor, and to come and to make you a chance that they were debating to bring you to Campbellton, and next thing you know, this cop comes out. You could have freaked out. If you would have freaked out, then there would have been about 4 or 5 cops. Yep. They were waiting around the corner. Yeah. So, we're going to police commission, put a complaint against Paul Estee. That's right, I forgot to put a complaint last week. And, you mentioned the, I wanted to stick right to the facts of what he actually did was wrong. Hello. Vous arrêtez la caméra, s'il vous plaît? C'est pas posé on tape, c'est tout. Hi. I'd like to file a complaint against Paul Estee. This is a complaint I had made on the 12th of December. Bonjour, comment ça va? Très bien. Je peux-tu avoir une minute? Une minute? Pour vous? Oui. Hi. Hi. La même chose. After... On est ensemble. Okay, same thing or? Hey, no, it's just I'm supporting her in this complaint she had. Okay, because I need to talk to you about yours you dropped off the other day. Yes, okay. Okay? Okay, I'll do that. Can we just sit over there, if you don't mind? Yep. No problem. Good, it's nice to talk face to face and not through a window. I'll send you an email. I had your... Sorry. Pas besoin. Sorry, je suis loadé. Juste asseoir, vous êtes venu. Oh, go ahead. I need to talk to you. Okay. Quand je l'ai eu, là, il faudrait que je communique parce que je n'étais pas certain exactement
qu'est-ce qui était l'objet de la plainte. Parce que je vois qu'est-ce qui est écrit là. Ben, j'étais pas sûr, il faut qu'on soit capable de la caractériser avant si, tout. Je savais pas si qu'il prenait comme le reggae ma place le mois de janvier. Oui, oui, ça je suis au courant. C'était. Ils ont été sous le sexual charge. Oui, il y avait un mandat, puis ça a été. Ils cherchaient du charge pour moi. Puis mais la femme est. La femme, qu'est-ce que son nom, là, que j'ai là? Il n'a assez, là. Yep, yep. Ben là, son nom. Carla Forsythe? Oui. Oui, d'accord. So, Yel, c'est Yel, quand j'étais à la station. À ma figure, printing. Ouais. Puis les charges ont été droppées. Ouais. Le fingerprint est encore là. Il est plus là. C'est ça, là. C'est pour ça qu'il fallait qu'on se parle. Là. Ouais. J'ai dit, si l'objet de la plainte, c'est-tu juste de faire récupérer les empreintes digitales? Savoir pourquoi est-ce qu'elle, elle a ma fingerprint. Ouais. Puis quand ma place a pris en feu, le mois de décembre, elle était là. OK, c'est puis, l'identité judiciaire, identité. Je sais pas où est-ce qu'elle est, tout ce que je... Après, non, but, je sais qu'elle était là, puis ça m'a so much... quand il y a la police qui arrive à moi, puis il dit, do you want to put a, give me a complaint, give me a statement. Puis c'était Shane Clark. So moi, j'ai regardé, j'ai dit, non, I'm not talking to you. J'ai dit, you wanted me remanded in custody for months and months, I'm not talking to you. So, ça fait et c'est ça qui arrivait. Puis c'est pour ça, Yel, moi je sais pas. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Qu'est-ce que. Ben écoute, je vais juste aller un petit peu là. Si c'était une infraction quand ils ont exécuté le mandat, qui était ce soit un summary conviction ou un indictable offense. Pour un indictable offense, il y a les empreintes se prennent tout de suite. Ça, c'est une règle nationale. C'est pas encore ce que c'est moi. Ils prennent tout ça. Si c'est un dual procedure, tant que la couronne n'a pas fait la révision de la charge, il assume que c'est, quand ils mettent sous arrestation au début, avant de te relâcher, là, c'est prendre des détails, une déclaration, des choses, ils prennent les empreintes digitales quand même. S'il n'y a pas de charge, il y a une procédure pour les récupérer. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que les autres, ils ne gardent pas ici, ils les envoient à Ottawa. Ah ouais. Au CIPE. OK. Fait que si c'est juste ça, l'idée, c'est de trouver la procédure. C'est pas une plainte vraiment, c'est que je peux écrire comme j'ai fait la dernière fois. Ben, la police prend tout le monde qui est sur le bien social, puis mettant tous les fingerprints, puis tout, puis je fais ça. Non, il faut qu'il y ait une charge. C'est la GRC Ottawa CIP qui ramasse tout le. Pour le Canada, ça. Toutes les empreintes digitales, c'est tout gardé là à un endroit. Ça, il faut que j'aille voir. Il faut que je les RCMP. Ben non, c'est le règlement. C'est le règlement national. Non, mais c'est qu'une personne n'est pas chargée. Ah, ça, mais c'est ça. C'est si la question est de savoir la procédure pour les ravoir ou pour les faire enlever, ben là, si on peut juste le demander, je ne sais pas c'est quoi. Là, il y a une procédure certaine à suivre. Là. Puis ça, je pourrais peut-être le demander. Oui. Puis ensuite. T'écrire la réponse, il faut que tu fasses remplir tel formulaire ou telle affaire. Ben, c'est eux qui ne font ça. Ben non, si quelqu'un fait sa demande. Eux autres, après qu'ils sont partis, ils ne leur appartiennent plus les empreintes. C'est drôle ça, c'est pas. Non, c'est le même.